Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal de ce dimanche 5 juillet 2009. Le coup d'envoi du 63e Festival de Théâtre d'Avignon, ce sera mardi. 40 spectacles seront présentés dans la programmation officielle et plusieurs centaines dans le Festival Off, avec cette année la compagnie de danse auvergnate Vendetta Mattea & Co. Claude Bernard et Jean Jazé ont assisté à la dernière répétition. Du 8 au 31 juillet, les danseurs de la compagnie Vendetta Mattea & Co. seront sur la scène du théâtre Golovin à Avignon tous les jours. Pour la danseuse chorégraphe franco-américaine, ce retour dans la cité des papes est chargé d'émotions. Je suis très heureuse de danser à Avignon parce que quand j'étais jeune danseuse, j'ai fait mon spectacle solo à Avignon. C'était mon premier spectacle en France et maintenant je fais Avignon avec mon propre compagnie de danse et mes enfants. Pour Surya, Link et Nicolas, danser à Avignon sera une première. C'est une très belle expérience en tant que danseur et puis c'est quand même une très grande scène à Avignon, la ville en entier pour un festival, c'est quand même énorme et disons que j'ai hâte d'y être et en même temps ça fait un petit peu peur. Personnellement, moi il m'a fallu un temps de réflexion pour pouvoir vraiment me sentir prêt à y aller parce que je voulais pas y aller sans avoir vraiment le sentiment que je profiterais pleinement de cette expérience. Donc j'ai attendu de ressentir ça et dès que j'ai ressenti ça, ben, je suis allé directement. Et ensuite c'est là vraiment ça a commencé les répétitions à un bon rythme. Vendetta Mattea a écrit la chorégraphie Homme-Animal autour de trois danseurs qui pratiquent ensemble depuis l'âge de 9 ans et d'un travail de recherche sur la nature humaine. C'est une partie de nous qui est énergie, connecte les deux parties qui est homme et animal, qui quelquefois donne un énorme déséquilibre dans notre personnalité où c'est possible de développer notre esprit dans une direction très positive. Pour la Manufacture, centre de danse créé par Vendetta Mattea en 1992, la présence de la compagnie à Avignon offre une belle vitrine du travail réalisé dans cet espace de formation, de création, de production et de diffusion dédié à la danse. Et le Festival de Théâtre à Avignon, c'est à partir de mardi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, puis votre édition nationale et internationale. Prochain rendez-vous avec la rédaction régionale demain, 12h10. Vous serez en compagnie de Jean-Paul Vincent. Mais dans l'immédiat, place à votre édition estivale festival. Belle soirée à tous et à toutes.